Si ton équipe joue son meilleur hockey de la saison, évite les blessures sérieuses. Ça te donne toujours une chance. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'on a comme celle-là, si les choses tombent en place, on a d'aussi bonnes chances que d'autres. On se retrouve en compagnie de l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Claude, merci beaucoup de nous accorder ce temps privilégié. Merci, Marc. On se retrouve aussi dans ton bureau, puis j'ai le goût de te demander, est-ce que tu te sens déjà chez toi, ici, dans le bureau qu'on occupe en ce moment? Oui, je pense que je suis devenu pas mal confortable assez rapidement. Beaucoup de raisons. Premièrement, je trouve que les gens qui travaillent ici, sont plusieurs d'eux, c'est des gens qui étaient ici lors de mon premier séjour avec le Canadien. Les entraîneurs qui sont ici ont fait d'excellent travail pour me faire bien sentir et à l'aise aussi. Mais le fait que ça fait quand même plusieurs jours que je viens ici, c'est déjà devenu une routine pour moi. Tu parles de ton premier séjour avec le Canadien, plus d'une dizaine d'années à l'extérieur, principalement à Boston, évidemment, pendant ce temps-là. Est-ce que tu as eu le temps de te rendre compte, même si tu étais très occupé, ce qui t'a manqué le plus de la ville de Montréal, du marché, de l'entourage dans lequel tu te retrouves aujourd'hui à nouveau? Bien, honnêtement, je te dirais que Boston est pas tout à fait Montréal, mais ça reste quand même, c'est une autre grosse ville de sport. Alors, tu sais, c'est quand même assez similaire, si tu veux, mais ça reste que Montréal, c'est unique. Et puis, de revenir ici, de voir, tu sais, c'est plutôt les gens. Les partisans. Ils adorent leurs équipes de hockey. Et puis, tu peux pas aller à nulle part à Montréal sans rencontrer des partisans. Puis, je pense que c'est la grosse différence ici à Montréal, mais aussi une grande organisation qui est très respectée autour de la Ligue nationale. Puis, de pouvoir revenir et faire partie d'une organisation comme ça une autre fois, c'est quelque chose de pas mal spécial. On a parlé des similarités. Il y a des différences cependant, parce que cette fois-ci, c'est en mi-saison que tu fais ton grand retour. Est-ce que ça complique les choses d'arriver à la mi-saison? Est-ce que c'est plus compliqué d'arriver avec une équipe qui est toujours en première place de sa section quand tu entreprends cette nouvelle démarche? Oui, je te dirais que la première fois que je suis arrivé à Montréal, c'était en mi-saison aussi, mais j'étais entraîneur recrue dans la Ligue nationale, alors c'était un petit peu plus difficile cette fois-ci. Je te dirais pas que c'était facile parce que je suis parti d'un congédiement et moins d'une semaine plus tard, ici, avec le Canadien de Montréal, c'était un ajustement, mais l'expérience que j'ai acquise dans toutes mes années dans la Ligue nationale m'a vraiment aidé à bien gérer, disons, la situation ici et être capable d'aider une équipe à rebondir. Mais c'était une équipe qui était déjà en première place. Je suis quand même chanceux de pouvoir prendre le rôle d'entraîneur ici avec une équipe en première position. Puis c'était de s'assurer de rester en première position. Puis on a travaillé fort en groupe. Les joueurs ont vraiment bien répondu aux appels et aux demandes. Et je te dirais que les choses vont quand même assez bien au moment où on se parle. Le fait que le personnel d'entraîneur ou de l'entraîneur-chef soit demeuré en place, est-ce que ça a aidé la transition? Ou est-ce que, à quelque part, c'était une autre situation à gérer où il y avait de la vente à faire pour Claude Julien? Non, parce que, tu sais, les entraîneurs qui étaient ici déjà, je les connaissais. Tu sais, Clément avait été ici à un moment donné, mais les autres entraîneurs, je les connaissais d'avance, mais ça a vraiment aidé de bien avoir ces gars-là m'entourer parce que la minute que je suis arrivé ici, ils m'ont donné toute l'information que j'avais besoin. J'ai senti une bonne complicité entre nous tous. Et puis, tu voyais qu'on avait tous, le vouloir de bien travailler ensemble. Puis, j'adore les entraîneurs que j'ai présentement parce qu'ils ont été superbes pour moi. Puis ça a vraiment aidé l'adaptation à cette équipe-ci avec toute l'information qu'on m'a fournie. Tu as parlé brièvement du congédiement à Boston. Après, dans ta seule sortie publique, tu as mentionné vouloir prendre du recul. Quelques jours, peut-être même quelques heures plus tard, tu acceptes une offre avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qu'il y avait de si alléchant pour que Claude Julien ne prenne pas du recul finalement, change d'idée? Et se remettre immédiatement dans le bain? Il y avait plusieurs éléments. Premièrement, j'avais dit que je voulais prendre du recul, à moins que ce soit quelque chose que je ne pouvais pas refuser.
Puis lorsqu'on m'a approché avec le Canadien, comme j'ai dit tantôt, une bonne organisation, une grande organisation, beaucoup de classe. Et puis le hockey ici à Montréal, c'est quelque chose de spécial. J'étais un gars de la région de l'Outaouais, ça me rapprochait aussi de mon chez-nous. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments qui venaient en jeu. Puis alors aussi, le fait de pouvoir travailler avec Marc Bergevin, que j'avais connu durant la Coupe, le World Cup. Là. Et puis ces choses-là, j'avais... on avait eu une bonne petite chimie avec le peu de temps qu'on avait passé ensemble. C'est tellement important de travailler pour de bonnes personnes, avec de bonnes organisations. Puis je pense que l'organisation du Canadien... identifier tous ces éléments-là. C'est la raison que j'ai accepté. On parle de transition depuis tantôt. Parlons maintenant du hockey sur la patinoire. Qu'est-ce qui était le besoin le plus pressant dont tu t'es aperçu rapidement? Tu as parlé de ton expérience, tu as dû te rendre compte donc avec l'information que tu as eu des entraîneurs. Qu'est-ce qui était le besoin le plus pressant que tu crois avoir corrigé, que tu as amélioré ou sur lequel on travaille à tous les jours du côté du Canadien sous Claude Julien? J'ai mentionné ça au début. J'ai vu une équipe qui avait besoin d'encouragement. Tu sais, quand ça ne fonctionne pas bien, c'est normal. Toutes les équipes passent au travers de ça. Quand ça ne va pas bien, c'est important d'arriver, surtout dans ma situation. Je pouvais arriver ici avec beaucoup de positifs. Et puis, on a essayé d'encourager les joueurs. On a essayé de ramener le plaisir de jouer au hockey. Et puis, on a fait des petits ajustements, mais plus que d'autres choses, je voyais, au fur et à mesure qu'on avançait, les gars avaient plus le sourire aux lèvres. Alors, tu sais, le fait qu'on a gagné des matchs, ça l'aide aussi à faire la transition. Et puis, je pense que c'était la chose la plus importante. Écoute, ils ont eu un bon début de saison. Ils ont connu des moments difficiles. Puis c'était justement de les reprendre en main puis leur faire croire que c'était une bonne équipe parce qu'il y a des bons éléments ici. Écoute, on a un des meilleurs gardiens au monde. On en discute souvent. On a fait des ajouts aussi à nos défenses, qui nous donne encore beaucoup d'options à l'avant, beaucoup de vitesse, beaucoup d'habileté. Alors, tu sais, c'est de mettre les choses en place, puis c'est de croire. Puis je pense que l'équipe, présentement, croit beaucoup en leurs moyens. Avant de te laisser, je veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais tu m'as ouvert la porte, ton expérience, la Coupe Stanley à Boston, la Coupe du monde. Dans tous les niveaux, en fait, où tu es passé, tu as réussi à gagner. Est-ce que, de ce que tu as vu, les éléments qui sont nécessaires pour une conquête, pour avoir une équipe gagnante, sont ici, sont sous ta main à Montréal? On a beaucoup d'éléments qui sont, je pense, les éléments qu'on a besoin de gagner. Et puis, je sais qu'avec mon expérience dans les séries, si ton équipe joue son meilleur hockey de la saison, évite les blessures sérieuses, ça te donne toujours une chance. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'on a comme celle-là, si les choses tombent en place, on a d'aussi bonnes chances que d'autres. Bien, Claude Julien, merci beaucoup, puis bonne chance pour le reste. Merci, Marc.